Bonjour, l'accident du DC-8 de la Nigeria Airways à Jeddah en Arabie Saoudite. Selon le dernier bilan, 247 pèlerins nigérians et 14 membres d'équipage, dont un Français, ont trouvé la mort. Paul Touvier est remis en liberté sous contrôle judiciaire, inculpé de crimes contre l'humanité. L'ancien chef des renseignements de la milice lyonnaise, à 76 ans, il souffre d'un cancer de la prostate. Coupes européennes, bon tirage pour les clubs français. Marseille rencontrera les amateurs de l'US Luxembourg, Monaco les Gallois de Swansea, Cannes les Portugais de Salgueiros. Lyon et Auxerre affronteront deux clubs amateurs, l'un suédois, l'autre danois. Voilà, excellente fin d'après-midi. The undefeated, undisputed, heavyweight champion of the world, the one and only Iron Mike Tyson. Monstre de puissance et de férocité, Mike Tyson force l'admiration. Des débuts expéditifs, une carrière exceptionnelle, samedi 13 à 22h20, Canal Plus rend hommage à Mike Tyson. Feria de Nîmes, Canal Plus prend la direction de l'Espagne et se rend à Séville, la Mecque de la tauromachie. Passion et émotion sous le soleil andalou. Dimanche 14 dès 22h10, les dieux de l'arène brillent de courage et rivalisent de talent. Corrida, Séville, dimanche 14 à 22h10. On t'attend, chérie. Suce une crevette, six-pack. Oubliez le grand bleu et ses gentils petits dauphins bien élevés. Ici, même le commandant Cousteau ne s'y risquerait pas. Qu'est-ce que c'est? Léviathan. Quoi? Léviathan. Vous l'examinez. Je suis pas médecin. C'est inutile, croyez-moi. Un organisme d'origine inconnue. Oui, ça, je le savais. Dites-moi ce que je ne sais pas. Quoi? Elle a eu deux Jésus. Un seul cas. Rien d'autre à signaler. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Six-Pack et Beau sont morts. Elle grossit. Gavé de sang. On semble qu'on aurait carrément Dracula ici avec nous. Elle a besoin de sang et c'est pour ça que les hommes de l'épave sont morts. Léviathan. J'aimerais bien vous en dire plus, mais personnellement, je préfère la montagne. Allez, bon frisson, mardi 23 à 20h30. Ouais, ça va chauffer.